Yep, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est NarutoRen1 et aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pu filmer au PopCon de Toulouse 2019. Alors c'était le 13 et le 14 avril, si je dis pas de bêtises. C'est parti, regardez.
croisé énormément de magnifiques cosplays. Il faut savoir que moi j'y suis allé que le jour 1, donc que le samedi. Je suis dégoûté parce que le dimanche j'avais un truc à faire et vraiment j'aurais préféré aller au Popcorn parce qu'il y avait le concert de Jean-Marc Anthony Cabella. Alors Jean-Marc Anthony Cabella, c'est lui. Coucou, Jean-Marc Anthony, chanteur des génériques de Pokémon des 10 premières saisons. Et bonjour à vous et que tout se passe. Et en fait, Jean-Marc Anthony Cabella, j'ai chanté le premier couplet du Poké Rap avec lui. Alors, le Poké Rap, c'est ça. Ah ? Non ? Bon, merci l'article 13. Bon ? Non. En vrai, j'ai chanté le Poké Rap avec lui. Regardez, le premier couplet. Hop là. Je veux être le meilleur de tous les dresseurs. Sans aucun répit, je relèverai les défis. Et croque ton piqueur, ni de rampe, cinq pour les arrêts, t'as rapaz des piques. Pour son rap, pas de l'île, 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 bravo. Ouais, ça s'arrête là en fait. Ah, dommage. Hey, c'est cool. Eh oui. C'est trop cool. Ensuite, vite fait, mais très vite fait, j'ai pas pu le filmer, rien. J'ai croisé la voix française du docteur Mamour dans Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, il me semble. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est beaucoup plus connu pour être la voix du fameux Jason Bourne, alias Matt Damon. En fait, je l'ai croisé parce que je faisais la queue pour attendre Arnaud Laurent. Alors Arnaud Laurent, si vous savez pas qui c'est lui, en VF, Natsu de Fairy Tail, pour ceux qui savent pas. Et j'ai eu un autographe, et aussi j'ai eu ça. Salut, c'est Natsu de Fairy Tail, je m'enflamme! Alors je passe un coucou à ma copine et à sa pote Christelle, parce que elles aiment bien Fairy Tail et elles aiment bien Natsu. Alors après, chose que je n'ai pas filmée, j'ai pu expérimenter une expérience folle. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté tentative de doublage. Alors c'était avec les doubleurs de Toumou, le manga Toumou. Il y avait les doubleurs VF. En fait, ils avaient une scène de combat de leur manga. Et en fait, c'était deux filles qui se battaient et j'ai doublé avec ma copine cette scène. Juste pour le fun, hein, pas pour l'animé. Bon après, c'est vrai que... Merci la SNCF, on a eu... énormément de ralentissements dans le train. Entre Tournai et Tarbes, donc ça fait environ une trentaine de minutes en voiture, on a dû rouler à 30 km/h. Merci la SNCF. Voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que Jean-Marc Anthony Cabella, vraiment, si tu passes par là, c'est pas trop probable, mais si tu passes par là, fais-moi un coucou. C'est une personne géniale, adorable. C'est comme l'a dit Gallius, c'est une personne de l'ombre qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais, je reprends les mots de Gallius parce que ils sont bien trouvés. Et ce type, il est vachement, mais vachement gentil. J'aurais kiffé que ce soit lui sur tous les animés de Pokémon. Mais bon, ces enfoirés de je ne sais même pas le nom de la boîte de prod, ils ont choisi de prendre un autre que lui. Génial, hein, bravo. Hein. Mais une partie de notre enfance est partie après l'OP10 de Pokémon. Bref. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Tu peux aller dans la description, il y a mon Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et mon Discord. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao, ciao! Bon, les bloopers maintenant.